Salut YouTube, salut à tous. Donc aujourd'hui le petit thème LoL player dropped in Dota. Et si ça clignote quand je fais la stit, c'est pas mal. Oh là là les dégâts, oh là, main game. Un génie. Hop. Il va prendre les creeps. Je sais non, j'aurais les promotions. Ok, j'ai une grande range quand même. You can't fight what you can't see. On the move. Your top tower is under attack. Ah, si je me rappelle bien, non. This way. Your top tower is under attack. Allez boum, le kill. Dans le magasin. Alors on me dit de reculer, apparemment je ne peux pas trade. Très bien. Alors hop, on va maxer le boomerang. Alors là il fait nuit. Alors il faut savoir aussi que dans Dota on a un mode de météo dynamique. 3 creeps. Le gros farm. Très 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 dur de la stick dans, Dota. Et là c'est la nuke. Deux mal kill. Oh là 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 là. Il prend le kill, il est en 2-0 et on a l'ulti là. Alors l'ulti c'est track un héros ennemi, donne à Gondar et ses alliés. On va rentrer à la base maintenant. Track un héros ennemi, donne à Gondar et ses alliés une vision de sa proie, même si elle devient visible, et des informations sur la quantité d'or qu'elle transporte. Confirme une vitesse de vitesse alliés pour le celle-ci, sa cible mal, Wound Hunter et les héros pressionnés la bande. D'accord, donc en gros, on est sûr de tuer quelqu'un, on le met. Comme ça, on gagne de la thune et c'est cool. Your bottom top. Non! J'étais spotted! My bad. Need help someone. Bot. Go, go, go! Hop là! On ramasse. Et GG! Et on fait un petit doublé. On part genre, on part par là. En fait on se barre. Oh non. N'importe quoi. Attends, Georges était en range de tour, mais de où? De où il m'a vu? D'où il révèle les invisibles? C'est nimp. Mais si oui, ce serait cool. Enfin, j'aimerais beaucoup. Il faut plus que j'en chope un. Si peu, j'en chope un. Bienvenue dans Dota, le jeu où tu te nuke sans rien comprendre. Mais en fait j'ai pas compris comment ils étaient pleins d'un coup. Il faut vraiment que je vois ce que ça fait comme, comme champion. Et pourquoi j'ai que dalle d'XP? Oh, c'est complètement pété. Your middle tower has fallen. Slice is nice. What? C'est quoi ce truc? Il se passe des choses, je comprends pas en vrai. Mais disons, il va me baiser. It's not time yet. Repositioning. On nique sa mère! What?
Mais c'est quoi? C'est un bug! What? Du coup, en plus, tu perds Mass Gold en fidant, donc forcément, parce que tu perds de l'argent quand tu meurs. Tu veux pas écho? Wesh, où est le vrai? Mais il est... T'as vu? Non mais c'est pas possible ce champion. Je me suis dit... Hein? Mais what? Sur ce gros port là. On va à l'instant de nouveau. What? Mais d'où ils m'ont vu? Mais c'est ma tour! Mais c'est quoi ce champ? Parce que je veux bien faire... Enfin, je veux bien y mettre du mien, mais là, honnêtement, y a rien. Et comment il m'a vu, en fait? Je comprends pas. Mais c'est quoi ce champ? Bah, c'est, on va se dire, c'est lui. Regarde mon gars, concentrez-vous bien, c'est comme de la magie. C'est lui, et regarde. Il se prend, bon, que dalle de dégâts parce que le neuf a fidé. Voilà, et regarde là. Regardez bien, il va devenir genre complètement fumé. Voilà, voilà, hop, disparition, il revient en 3. En 5. Lequel on ne sait plus. Il dive la fontaine sans respect et il meurt pas quoi. Le truc est c'est n'importe quoi, le champion. Oh ouais, très bien, on va quitter là. J'ai pas tout compris, mais honnêtement mon gars, waouh, il s'est passé des choses dans cette game, vraiment. Donc YouTube, je vous laisse ici. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, etc. et tout pour mon refaisage d'anus sur Dota 2. C'était très compliqué, mais bon. Au début on s'est bien fidé, après c'était la mort. On se retrouve bientôt pour un autre stream et d'autres VOD. Bye les bros.